retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur la présentation du Happy Mail que je vais envoyer à Sophie, donc Sophie Scrap, qui m'avait envoyé un Happy Mail sur le thème hibou. Et du coup, ça y est, je l'ai enfin terminé. Donc, mille excuses pour l'énorme retard. Mais voilà, il est enfin terminé et pourra partir demain. Donc voilà, je voulais vous présenter du coup ce que je lui ai mis dans le Happy Mail. Donc déjà pour commencer, la couverture, donc le devant, j'ai mis une fleur, une petite épingle. Là, une découpe de la twin. Moi, je suis vraiment partie sur le thème, printemps avec des fleurs, etc. Donc j'espère que ça va lui plaire. Là, j'ai rajouté une petite pince et du ruban. Donc là, c'est une découpe que j'aime beaucoup. Des fleurs, des petits strass dorés. Arrière. Donc l'arrière avec ma petite carte. Donc c'est la pince permet de la tenir. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc dans un premier temps, je lui ai mis un ruban avec des roses. Qui est magnifique. Donc voilà. Ensuite, des stickers avec plein de cœurs. Je lui ai fait un tag. Un autre tag. Ensuite, je lui ai mis une carte de Project Life. Ensuite, deux pailles comme ça. Un stylo, donc il vient de chez Action. Donc ça reste dans les couleurs de mon Happy Mail. Ensuite, je lui ai mis deux masking tape. Donc c'est des tout petits. Ensuite, je lui ai mis des plumes. Donc il y a des roses pâles et grises. Un petit renard. Donc là, il y a plein de hiboux, de chouettes. Donc elle pourra coloriser. Et puis un petit ours. Encore une petite carte. Ensuite, donc je lui fais une petite carte comme ça. Donc je lui ai mis un petit sachet avec plein de petites paillettes comme ça. Donc si elle veut faire des shakers. Eh bien voilà, là il y en a vraiment pas mal. Des petits papillons en liège. Une planche de stickers en relief. Ensuite, je lui ai mis deux petits sachets de thé donc au caramel. Et puis aux fruits des bois. J'espère qu'elle aime le thé. Ensuite, je lui ai mis un petit sachet avec plein de die cut. Donc sur le thème, voilà, fleuri. Ensuite, je lui ai mis une petite enveloppe. J'aime beaucoup cette enveloppe, pareil, de chez Action. Et donc à l'intérieur, je lui ai mis
Donc des petites des sortes de petits moulins comme ça. J'ai mis une perle au milieu. Donc il y en a une bleue, une rouge et puis une verte. Je lui ai mis mes petites capsules. Et puis des petites roses. Je lui ai mis un autre petit pochon avec plein de découpes. Donc, je me suis vraiment éclatée à les faire. Donc il y a ananas, kangourou. Donc c'est la vidéo du site Banggood que j'ai eu ces Sedai. Et du coup, voilà, j'ai fait pas mal de découpes. D'ailleurs, je vais rajouter ceux-là. Donc la grenouille, licorne, le carrousel. Ouais, j'ai tout préparé là pour lui rajouter dedans. Ensuite, je lui mets deux planches d'étiquettes à découper. Celle-ci. Ensuite, une planche de ruban. Des petites fleurs 3D. Une planche de stickers avec des petits hiboux. Ensuite, je lui ai mis des tamponnages de mon petit Tipeee que j'adore. Donc, je l'ai fait en marron et en vert. Et du coup, dans le Happy Mail, je vais lui rajouter les tamponnages que j'avais faites. Donc, il y aura celle-ci et celle-ci. Donc, voilà pour ce Happy Mail. Donc, dès que vous verrez cette vidéo, Sophie aura reçu son Happy Mail. Donc, voilà, je vous fais d'énormes bisous. Scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!